Le plaisir est partagé de nous suivre en direct de MKBZ officiel. Merci, 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 merci. Na bande konyon so bazaliko partager ces liens oyo ya émission. Merci. Nazo mon na ba groupe mususu bato batie ngai kuna comment vous allez ko partager émission. Merci beaucoup. Merci na nyonso boza sola pour na biso. Merci na bande ko bozali na Mikili Ebele, Naibi Kotanga ba Kombo na binote. Merci na bande ko bali na France, batoza na Canada, bande ko nanga boza na Londres, bande ko nanga boza na Allemagne, bande ko nanga boza na Canada, boza na Lubumbashi, boza na Katakokombe, boza na Bujala. Na ebite ozande langa na mboka nini europe ko signaler ngai na kombo na yo na kotanga même ozana fin fond vraiment koloa yebio nde Josine Dembanze momoko ata ufanda kana malweka koloa yebio ngire bebisenge bana malweka koloa yebite singela lendi saka bango donc mais le plus important koto nyonso zali na pesio mbote 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 nde kona ngai merci mingi na confiance. Alors partagez lien il y a émission pour Tobanda direct Oyo ensemble beaucoup taibeli en ligne partagez na moye bega moto mususu geno et bandi à se connecter à côté en ligne pour être ensemble to lokalo lenge nini to kokiko sala malamu pona mboka na biso na yeli bino information moko oui, c'est très important. Donc, bande konangai na yena solo na bino na moi scoop oyo na zui. Et puis je vais profiter pour nimisa bande ko mususu. Bolandela makambo nyonso nga na yebisi bino avant makambo oyo ya alliance contre nature et salema est vrai. Yo ofandi peut-être bisika ozali, tu ne fais aucun effort. Mais moi, j'aime tellement les Congo que nazo bunda nazo ba information authentique. Pena meme la bino. Moïse Katumbi position na ye ezo ye bana lisusu te. Pona nini boko ye bango na réplique. Aye lisusu kosenga audience pote a rencontrer encore président de la République. Donc Katumbi azo singa audience. Si le président aboyi yango te ou bien dimi bokomona boye ya Katumbi ya Kishasa akoya pona kokutana na président de la République. Bo retenir yango ke il est na démarche ya ko rencontrer président de la République. Information sire nazu. Ngai wabino na sani minu contrat. Yako yebise bino vérité. Et je vous avais dit que likambo mokote ekoleka lisusu na mboka oyo avant et salema sans que bino moko boyeba vraiment le lengeni ni makambo koleka. Donc, bo retenir que awa na zolo banabino Katumbi na ba invitation na makambo nyonso a komene ba démarche pour être président de la République ayambaye. Siko ayambaye po ba sala nini. Tala ba politicien congolais nde baza. De l'autre côté, a commis communiqué à lobby groupe parlementaire na ye makamboleki na ensemble eza ya moyibi boye na boy mais akay d'abord ko négocier les négociations eza normal eza légal pour moi na koki ko vouloir yete tant qu'on fait la politique on a des ambitions et on réclame ses droits ça c'est le droit le plus légitime commencer même à négocier en oubliant que Kadima aza ndenge bakomi ko lobalelo aza muntu ya kamoko aza muntu ya corruption aza muntu ya boy muntu ya boy azimu katukuna il n'a pas dit la vérité aux congolais c'est Kadima qui est mauvais
et élection est bâclée, boyenda boye. Première étape. Deuxième étape. Oh, abengi réunion. D'abord, tindi batre bandi ko attaquer, bandi ko attaquer. Aya bengi réunion na Lubumbashi. E yindi, ezo yinda, lelo, ndene lo, mena sangweze la soki andingenini. Na percebi un exemple ke, ezo lokola muntu moko bache jibu la fufu. A bete, tikele nefu o, nga na gole biloko yote. Ah! Osu liye nef, e tikele moko nga na gole biloko yote. Donc, ça s'explique pas. Il s'est retrouvé dans le Lubumbashi, na menace, oh zolo. Bimisango peut communiquer à Kolungwango, moi Kolungo je suis zate. Ba député na ye moko, ba télémélié. Sur le 70, j'aurais appris que non, il contrôle qu'une trentaine, 40 bazate. Ba ebisiye, omeki ko sala kaka communiquer kuna, biso pa otosali ya biso, tokabwani. Et d'ailleurs, surtout que la Cour constitutionnelle a si à tranché à l'objet que député, député, n'a pas pris cet exemple, mon frère. IDPS, en 2011, tu sais que tu as gagné l'élection, à ce que tu as gagné l'institution, tu as gagné député, IDPS, tu as gagné le Parlement. Ba komina tan ya kosala bureau ya seni ba ye ba luki groupe parlementaire ya IDPS à l'époque Kalamba. Qu'est-ce qui est arrivé? Kalamba gei IDPS a moyen la logique jusqu'au bout. Toza na ka maintenant moko très compliqué awa to koloba awa mbutu mbutu eleki. Tozo yebate totala nani tondi manani. Et en contrepartie, bomoni ke makabem subalobi, tomoni le kambo solo e salamite. Azo longwa, natongo, communique azo bima, tomoni communique e bimite. Au même moment que communique e bimite, to fanda boye lobi ho, bloc patriotique. Nanaza na kati kabila kuna, nakabenga nomi. Nani azakuna mariage mushebeko. Nani azakuna devosi kitoko. Nani ye de katumi azalaka ye baza coordinateur la mugati. Je crois que yemo kwasa bosadi. Nazalaka coordinateur ya la muka, je pense que azalaka pe coordinateur ya la muka, je crois que bosana ki mais peut-être les gens terminent ba la musa ko rappeler que de la coordinateur ya la muka. Alongwe kuna na ba condition wan. Ba signé na baninga. Après na poko signatir français galombo alobi wo makambunyo swe salami wana biso toyebi yangote etali biso te katumbi atindi mutu moko te boye na boy. Meto yoko mwana bomoni elenge ya zo sekana tata na biso mususu azara kasoki ndenge nini wana balati ba biloko ya couleur moko bakangani ya wana mutu ya katumbi. Non seulement que le signe jour a été sauté, le deuxième jour, il a été commission. Mais de l'autre côté, français, il a été sauté, il a été sauté, il a été sauté, pour nous, il a été sauté, 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 qu'est-ce que Katumbi attend? Katumbi attend un babandi nomination ambassadeur à Zuina le sous. Azozela ba les entreprises publiques. Aya le sous
azo ali sou mwanda mwen entreprise publique. Et après, à cela, le point, na gouverneur, à cela, six. Et là, qu'on s'est détenu, il y a Yango Wan. Ce qu'on va tourner, il y a ici, il y a comme une ambongo. Alors, il y a aussi une gabisso tobima. Tout est à l'entreprise publique, tout est à l'ambassadeur. Il paraît que besoin même na territorial. Ba bourgmestre, ba chef de territoire, ba boye na boye. Nyo so na bazo kabola yango. Sikoyo ya kanisike no, eko kiko sale mabongo te, ezaka kamalamu, bango nyo subaza l'ensemble. Et maintenant, yo komike azo ya na Kishasa, azo sale ba consultation, me oma na nini moko très sirke no, a saliba démarche pour être président de la République à Yambaye. Président Yambaye, basso le lissou nini. Bota la ba politicien congolais. Président à Yambaye, pour basso le lissou sou le kambo nini. Assumez-vous. Vous êtes un acteur politique très important en Mboka Nangai. Mais ba jewana et yali malamouté. Pour le ministre, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été réseaux sociaux qui ont été en train de démissionner. La plupart des ministres, malgré Katumbi a été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été Donc on attend, si Fatia Koyambaye, elle est présente à Batonyonso. Ou bien ko yambayete mais ngana lingina mwana pe avina bino ayamba to yambayete en tout cas moko na moko apesa nga avina ye to lenge ya zo munela makambo wana ayamba to yambate suko Katumbi akokende akokendete akozala na union sacré na bloc patriotique azape na le moko coordonnateur pe kozala ndenge nini donc c'est que yoja ko formation bien fouillé. On attend qu'il va confirmer ce qui est allé à l'angoé que le président a yambaye toté. Mais moi, je pense que dans la vie, il faut s'assumer. De ce côté, il y a un ça y est. Il y a un que non, il combat à l'intérieur. Peter, a son courage, na ya longwa. A son courage, à longwa. Il combat à l'intérieur. De l'autre côté, ma déclaration, de l'autre côté, un bloc patriotique. Maintenant, donc, à l'ingé sur le truc, non, on a zali, to bongisa, retirer signature, to continuer, alors parce qu'il va prêter serment. Je crois que Bazali, au-delà même, il y a la Cour constitutionnelle, bah, ni na ye, bah, la gango deux fois, donc, je ne sais pas pourquoi les bateaux, Bazali, qu'on s'agitait, mais retenez que non, Moïse Katumbi, boye, na ye, na Kishasa, à cause de par tous les moyens pour rencontrer Félix Tshisekedi. Mais il avait aussi dit que non, à côté peu, qu'on ait un moyen, à Kende, à moins un peu peut-être à Kabila pour Alobaki, il n'y avait pas un problème entre lui et Kabila. Quoi, Alobaki a zolo ka numéro na ye. Je rappelle que Kokonyanga Kindela qui est déjà. Alors, à Kobe Ngabasololi, pour les alliés, Makambo, Nabangou. Il faut surtout retenir que non, entériment. Des cas du Ma à la CENI, l'ECC décide la rupture avec les six confessions religieuses signataires du PV. Voilà, Bogendaga Malam. Aussi, ils ont l'enseignement supérieur et universitaire. La faculté de médecine réservée aux diplômés d'État ayant obtenu au minimum 70%. Donc, pour na kokende ko sala médecine et sengeli mais d'abord les diplômes on basumba ka yango non est-ce que yango muinda ngo pe ngana moni ve baka nzangi ya solo nzaji zo nzangi hein comment ko lo bake no po ndo ko sala médecine kaka so kana 70% mais comment ba point zo kango na université ba to ba yemi ba to ko fabriquer ba point. Oh là là, Moïndo Nzangi. État de siège. La motion de défiance contre le ministre de Défense étouffée. Les 60 députés menacent de saisir leurs instances parlementaires
international. Donc, ils ont 60 députés au niveau de l'Assemblée nationale, Bango ba signé motion de défiance contre le ministre de la Défense, Balou Sengeli Balongolaye, ce que Balobi a étouffé, motion de Nino na Bango Wana, qui peut saisir l'instance. Tous en état de siège. Bino batwa kabila boyene eloko ibanda 2000 soki mbula boni 19 ans le loba telemi pote babanda kobundisa babandena ba motion arrêté kande mboso lobaki quitter le groupe armé baza plein kuna bazo mona cop na banque le tezo yeban ezo la konde botena bloc patriotique ne procès chebe yebandi bakokanga bango basi ba miyebi fuba bakomeskono ba opposant makambu ya moyibi ya mbongo aleta bazakona. Il faut que ce soit na nini wana ya l'État. Sankuru, na Sankuru, il faut retenir que vote de la motion de défiance contre le gouverneur Mukumadi prévu ce jeudi. Donc, Mukumadi, pour na un mois encore, calendrier, bah, repoussé, on a un mois, ministre intérieur, lobby pour na bah, contrainte, mon cas administratif, débat repoussé, même à tout matoubouana, balongola qui est, mais conseil, cours de cassation, zone ici, et après, tout moni, bah, lobby théâtre, balongoli, mais, bah, y'a déjà que, cours continue, c'est à longola qui est, donc confusion, mon cas, y'a qu'on s'accanate. Makambo sous ce que même matin les nions ça que faut côté les melayango. Makambo toboya yango na Shadari, na gouverneur ya Katanga, qui a été réhabilité par la cour constitutionnelle, mais Shadari a boya qui peut azongate. Toujours boya biloko anezale malamute. La nouvelle dynamique de la société civile appelle Félix Tshisekedi à réduire. À réduire ses, je ne vois pas bien, ses incassants voyages à l'étranger. Ah, la nouvelle dynamique. Oh, donc, société civile et lobby, Fatia, je voyageais trop, mais je ne vais pas commenter autant que les gens qui ont dit que les pas Balazar, après, attends que les gens pas Balazar. Et que n'ayez pas Bayapuyaba Simon Pierre, Lukutana Bino, Sokagana Lilita Ya Yeso, hein? Dans Sokagana, mes sociétés civiles, et le bien réduire nano ba voyage. Kassai, l'AFDC a débattu, Lukwebo déplore son absence au nouveau gouvernement. Donc, connaît gouverneur Pierre Montoza Kuna, AFDC a modeste battu Lukwebo. Bango balobi ke bazomi kutate na gouvernement wana bazali ko regretter. Le gouvernement réfléchit sur l'initiative stratégique pour son indépendance vaccinale. Donc c'est-à-dire gouvernement zolinga pe asala makambu ya ba vaccin pe aw. Ah basala yango. Merci beaucoup en tout cas na bande konangai. Voilà un peu quelques lignes oyo bosingela ke boye ba ce qui concerne mokolo ya lelo mais na grande ligne pour retenir que Katumbi Azo Senga a rencontré le président de la République à cause de la Kinshasa Awa et Sengela Zala Lobby. Il faut vérifier à comité, mais dans son agenda, on nous dit qu'Azo Bunda Pete, président de la République, a yambaye, alors Bino Moko, Boyebi Ango. Batu FCC, Oyo Bazana ba mafia na bango na Est Kuna, mafia na bango et bimi, balengi ba créer trouble la baloka monsieur Moko Pona Kolongo la ministre. Le 6. Bloc patriotique, mais qu'on a pas besoin d'être un peu boutou pour besoin de canater l'idée qui est riche. Quand on vient à l'objet, on a eu d'ailleurs un dingue, un gars moko, fait la lobby jamais. Binonga montre la s'appelle, bino du bap. Kabila la lobby beaucoup le coup de binonga montre la chembongo, bolia bambongo, nanga, boy, même un dingue, olive à l'obaki, nanya le moula na sani ya mobali nanga te. Donc, Congo, comme un restaurant, il y a un besoin même d'avion et d'abattre, parce que tiango. Nini restaurant na kingakati bembe pazo ile wo bavyo bavyo za kuna kabila montacher restaurant yo mwana kyango te boke ndako cha bapine bo rekupera ngo donge ezali pasi ezali mobulu me boye bake biso na MK base officiel tokozala wana toujours
pour nous conformer et ne pas nous déformer. Mais dans le Canada, nous apprenons, par exemple, qui pouvait croire, par exemple, dans les Sangawana, dans le carbone béni, dans David Moukeba, dans le Moutoyo. Directeur de la Banque Moutouane, Kabangi nous a se présenté. Pour le FCC, Félix Kabange Numbi. Pour une vidéo botana, pour comprendre vraiment que ça sonne. Kabange, député national, Mutindami ya Front commun pour le Congo. Na combo ya FCC Tosengi Mutunyoso. Le 6 novembre, Abima pour que to bengana dictature Oyo ezana mboka na biso. Voilà. Bino moko bolandi. Donc, bazoka ne li susute, guerre ya leadership et leki, nani akokamba nani, tozo yebate. Mais na yebi saki binu, ke non seulement ka catholique, ali kobundisa, makambo ya pouvoir, mais catholique, a komi koluka même na makambo ya gratuité et pesa mubulu. Il y a une commission, balibiso na makambo ya catholique, Balobi Tony Mwabaye pe azoni makambo kende très bien malobe ya chole wana lolonge zokende même na gratuité ya enseignement za bongo eza bongo bolanda pobo comprendre soki bo analyser makambo chola zoloba oyo eza elongo na politique mina gratuité bolongo wana bozwi makambo ambongo alobi keza IDPS bolongo wana bozwi makambo ya Bukundua na SSC pour comprendre que ça passe. Suivez ma cambouche la lobaki pour na makambuya ba na kelasi au moins na kezali mabe. Message d'alerte de la SENCO sur la situation préoccupante de la rentrée scolaire 2021-2022. La mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base intervenue en septembre 2019 est appréciée globalement comme une réforme courageuse qui est venue mettre fin à l'exclusion du milieu scolaire des enfants issus de familles peinantes financièrement. Cependant, force est de constater que c'est avec beaucoup de peine que l'année scolaire 2020-2021 a réussi à se terminer dans une relative paix sociale. Suite à la pandémie de COVID-19, la prise de mesures sanitaires fortes et contraignantes a perturbé le calendrier scolaire et le fonctionnement normal des écoles. Nous avons apprécié le réaménagement du calendrier scolaire jusqu'au 8 septembre pour avoir une année scolaire normale. Dans nos précédents points de presse, état de lieu sur la mise en œuvre de la gratuité dans les écoles conventionnées catholiques du 13 janvier 2021, nous avons relevé plusieurs facteurs internes et externes qui constituaient une menace sérieuse sur la viabilité de l'école et la qualité de notre système éducatif. Plusieurs recommandations ont été formulées au gouvernement pour rectifier les tirs et viser l'atteinte effective des objectifs. En tant que partenaire éducatif du gouvernement depuis l'époque coloniale, et plus particulièrement en tant qu'institution pastorale et prophétique, dont la mission est d'éclairer l'ensemble de la population dans sa marche vers le développement intégral, l'Église a fait observer en janvier 2021 l'urgence de dissiper les frustrations subies par des enseignants sous-payés et particulièrement par les enseignants non pris en charge par les trésors publics, les NP et les NU. Parmi les recommandations formulées, on y trouvait 1. Une rémunération décente pour tous les enseignants, y compris les NP et les NU. 2. Le financement correct du fonctionnement des écoles et des bureaux gestionnaires. 3. La réforme
de ses copains en vue de garantir la traçabilité et la transparence des fonds mis à sa disposition pour la paie des enseignants. 4. La mise en place d'un cadre de concertation impliquant les gestionnaires pour l'évaluation et l'amélioration de la prise de décisions en rapport avec la gratuité. 5. La construction et la réhabilitation des infrastructures scolaires. 6. Les réformes essentielles qui pourraient faire des économies pour financer la gratuité, notamment la carte scolaire et la rationalisation des bureaux gestionnaires. Par contre, jusqu'au moment de la rentrée scolaire 2021-2022, en ce mois d'octobre, la CNCO a constaté qu'aucune de ces recommandations n'a été suffisamment prise en compte par le gouvernement. Il est clair que la situation qui prévaut actuellement dans les écoles conventionnées catholiques relève uniquement de la responsabilité du gouvernement et non des enseignants des écoles conventionnées catholiques. En effet, une récente enquête réalisée dans 19 provinces auprès d'un important échantillon de nos écoles mécanisées montre qu'au niveau primaire, il subsiste encore 1055 enseignants impayés, NPNU, sur un total de 7757 agents, soit 14%. Et au niveau secondaire, on relève 2306 enseignants impayés, NPNU, sur un total de 6781 agents, soit 34%. Extrapolé à toutes les écoles, cela fera un nombre très important de NP et de NU. La gratuité est un droit constitutionnel. Pour la CNCO, elle est donc irréversible et non négociable. Mais seulement, cela n'est possible que si les réformes nécessaires se mettent en place et les moyens financiers conséquents les accompagnent. Il est hors question que la gratuité de l'enseignement de base repose sur l'exploitation des enseignants. Il est urgent que le gouvernement se penche sur toutes les questions de fond soulevées, aussi bien par la politique et la gratuité que par le processus global de gouvernance du secteur éducatif. C'est une priorité et une urgence pour l'avenir de notre jeunesse. L'Organisation des États généraux de l'enseignement primaire, secondaire et technique, pour évaluer sans complaisance notre système éducatif, offrirait un cadre idéal pour cela. N'est-il pas temps pour le gouvernement d'abandonner les approches qui n'apportent aucune solution et que tout le monde reconnaît comme peu constructives dans la gestion de la crise actuelle? Il s'agit par exemple de la banalisation du déclin que connaît actuellement notre système éducatif, notamment dans les conditions des apprentissages, infrastructures, manuels, méthodes d'enseignement et d'évaluation, et dans la qualité de la formation dispensée. 2. La politisation du mouvement de grève actuel, qui ne découle que du sous-financement de l'éducation, d'un manque de redevabilité de ses dirigeants et non du refus de la gratuité par les réseaux conventionnés catholiques. 3. Les intimidations et les menaces envers les enseignants qui ne réclament que leurs droits, confèrent accord de Bibois à défaut des accords de Mboudi, alors qu'ils se sont sacrifiés pendant 2 ans pour le lancement de la gratuité dans l'attente des promesses toujours non tenues des paiements de deuxième et troisième palier. 4. La désactivation abusive des écoles et d'enseignants qui fonctionnent régulièrement. Quoi qu'il en soit, la CNCO réitère sa disponibilité à accompagner la mise en œuvre effective
réaliste de la gratuité de l'enseignement des bases, pour autant que le gouvernement soit ouvert à une collaboration sincère. Elle prie le Seigneur de bénir les enseignants qui ont le droit de travailler dans des conditions de rémunération décente, et aussi pour les élèves dont le droit à une éducation de qualité est actuellement en souffrance. Je vous remercie. Voilà. Konto crise ya seni, konto ebana batangate, konto bamema bana bayana bayana na palais du peuple tolinga Kongo na bakongolo. Si Dieu ne revenait pas, la prochaine numéro na zoya. Bye. Thank you.